La conjugaison des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Alors, d'abord, comment reconnaître un verbe du deuxième groupe? Ce sont des verbes qui ont deux caractéristiques. Premièrement, leur infinitif termine par IR. Deuxièmement, on trouve un double S dans leur conjugaison avec les pronoms sujet pluriel, c'est-à-dire nous, vous, il et elle. Prenons deux exemples. Le verbe finir. L'infinitif termine par IR. La conjugaison de nous au présent est nous finissons avec double S et vous finissez, double S aussi. C'est donc un verbe du deuxième groupe. Et le verbe ouvrir. L'infinitif termine par IR, ok, mais dans sa conjugaison au pluriel, on ne trouve pas le double S. Nous ouvrons, vous ouvrez. Ce n'est donc pas un verbe du deuxième groupe. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe, on a besoin du radical et on lui ajoute les terminaisons du deuxième groupe. Pour obtenir le radical, on va simplement ôter IR au verbe. Donc, pour finir, le radical est fin. Les terminaisons du deuxième groupe sont pour je, IS, pour tu, IS, pour il, elle, on, IT, pour nous, I, double S, ONS, pour vous, I, double S, EZ, et pour il, elle, pluriel, I, double S, ENT. Ce qui nous donne, par exemple, pour le verbe finir, je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Une petite remarque, le participe passé des verbes du deuxième groupe termine toujours en i. Ici, par exemple, fini. Alors, faisons un petit exercice de conjugaison avec d'autres verbes du deuxième groupe. Le verbe choisir, quelle est sa conjugaison avec le sujet vous? Vous choisissez. Le verbe réfléchir. Tu. Tu réfléchis. Investir. Il. Ils investissent. Le verbe applaudir. Ils. Il applaudit. Grandir. Les enfants. Grandissent. Ralentir la voiture. La voiture ralentit. Le verbe réussir avec le sujet nous. Nous réussissons. Et le verbe obéir, Médor. Obéit. Et donc voici d'autres verbes du deuxième groupe, probablement les verbes les plus utilisés. Définir. Démolir, établir, garantir,
grossir, nourrir, trahir et vieillir.